Bonjour et bienvenue à ce 75e épisode de Lightroom. Mais encore, on va parler un peu de Lightroom CC de l'environnement cloud. Euh, L'idée, c'est de vous montrer comment on va de l'environnement classique vers l'environnement CC. Puis on fera une autre vidéo qui expliquera comment aller de l'environnement CC vers l'environnement classique. On va rajouter des photos, effacer des photos. On va voir un peu comment ça se passe dans les différents environnements. Alors ça, c'est un Lightroom classique. Hein. C'est Lightroom Classic euh, 2019. Et euh, j'ai installé sur mon ordinateur d'autres environnements pour faire comme si j'avais du Lightroom CC installé. Alors je vais vous montrer ça. Donc là par exemple, j'ai installé sur mon ordinateur ce qu'on appelle une, une machine virtuelle. Donc en fait, c'est comme si j'avais installé un deuxième ordinateur. Vous voyez là, j'ai Windows, j'ai la barre Démarrer comme si c'était un deuxième ordinateur. Et dedans, j'ai mis Lightroom CC pour desktop. Donc là, je suis dans un environnement CC installé sur un ordinateur. Donc ça, on peut dire que c'est comme si c'était mon portable. Mais on peut installer cet environnement CC ailleurs. Alors, je vais vous montrer. Là, par exemple, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez, c'est Android. Donc là, j'ai installé un émulateur d'Android. D'accord alors, je pourrais faire ça avec un iPhone aussi, ça existe, mais j'ai pris, euh, pris Android. Et donc là, j'ai un Lightroom CC installé sur une application Android. Donc là, on va dire que c'est comme si vous aviez une tablette à la maison. Donc, on a vu l'ordinateur principal, il y a classique. Euh, on a vu l'ordinateur portable où j'ai mis un Lightroom CC pour desktop. On a vu l'Android où j'ai mis un Lightroom CC, mais on peut aussi euh, y aller directement par le web. Et là, maintenant, je suis dans un navigateur web. Hein, vous voyez, j'ai une adresse ici. Euh, et je suis également dans l'environnement CC où je vais pouvoir voir mes photos. Donc, Lightroom Classique, j'ai un Lightroom CC pour ordinateur. J'ai un Lightroom CC pour tablette. Et j'ai un Lightroom CC par le web. Bon, bah écoutez, on va retourner sous Classique et puis on va voir comment on envoie un peu des photos. Donc là, imaginons que je veuille envoyer quelques photos vers euh, Lightroom CC. Euh, la première chose à faire, c'est dans édition ici préférences, vous avez un onglet ici Lightroom synchronisation où vous devez euh, mettre ici vos coordonnées et vous connecter euh, à l'environnement euh, CC. D'accord Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez d'autres choses empêcher la mise en veille pendant la synchronisation. Donc ça, quand vous synchronisez pas mal de photos, si se met en veille, la synchronisation va s'arrêter. Donc euh, ça, c'est quelque chose que vous pouvez préciser. Indiquer l'emplacement pour les images de l'environnement Lightroom CC. Alors, ça, on verra. C'est quand, quand on fera dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on va importer les photos dans Lightroom CC et qu'elles vont revenir dans Classique. Là, je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Je pense que c'est ce paramètre, il sert à ça. Mais on, on, ira, vérifier, euh, on ira vérifier après. Et ensuite, j'ai utilisé des sous-dossiers formatés par date de capture. Oui, ben ça. C'est pour dire quand ça viendra de l'environnement CC, les mettre dans E photo et les mettre sous ce format de date là. Un peu comme à l'importation où vous choisissez un format de date. Donc la première chose à faire ici c'est déjà de vous connecter. Une fois qu'on a fait ça, ben, en fait c'est assez simple. Hein. Il suffit de créer une collection. Donc je vais créer une collection. Alors c'est une collection normale, ce n'est pas une collection dynamique. On ne peut pas synchroniser des collections dynamiques avec euh, Lightroom CC. C'est des collections standards. Donc je vais créer une collection que je vais appeler test. Pour LRCC d'accord, euh, non. Alors là, vous voyez, alors je vais quand vous créez une collection maintenant, il faut que vous décidiez est-ce qu'elle va être synchronisée avec Lightroom CC ou pas. Donc là, bah, je vais dire oui. On verra, c'est une petite icône qui va apparaître sur le côté. Donc test pour Lightroom CC, créé. Donc là, j'ai test pour Lightroom CC et vous voyez, là, j'ai un petit motif qui dit que cette collection-là est synchronisée avec Lightroom CC. Vous pouvez en synchroniser une dizaine de collections. Hein. Ça, ensuite, vous rangerez les trucs comme vous voulez. Ce n'est pas, pas un problème. Vous pouvez faire une collection 2, une collection 3, et la synchroniser avec Lightroom CC. On le fera pour le test après. Mais là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux photos. Alors, disons que je vais prendre, euh, bah, prendre celle-là. D'accord euh, Ou alors, attendez, je vais en faire une copie virtuelle. Créer une copie virtuelle. Voilà et euh, comme ça, j'ai une, une copie. Et je vais prendre donc la photo. Et je vais la mettre ici. Test pour Lightroom C. Donc là, maintenant, si je regarde là-haut, il est en train de synchroniser. Synchronisation d'une photo. D'accord C'est ce qu'il est en train de faire. Si vous mettez 2000 photos là-dedans, il fera synchronisation de 2000 photos. Et il va mettre un certain temps pour synchroniser ça. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il n'envoie pas du tout. Là, c'est un DNG hein, qui est assez lourd. Et là, en fait, il n'envoie pas du tout le DNG vers l'environnement Lightroom CC. Il envoie un aperçu, un équivalent d'aperçu dynamique, ou peut-être d'ailleurs l'aperçu dynamique. Donc, lorsque vous envoyez des photos vers l'environnement CC, vous n'allez pas prendre beaucoup de place. C'est lorsque vous allez importer directement de l'environnement CC que vous allez prendre de la place sur votre cloud. Mais si vous le faites de Lightroom classique et vous envoyez des photos, moi je me suis amusé à synchroniser 2000 photos, pff, ça a pris rien comme place. Il me mettait d'ailleurs toujours 0 octet utilisé donc à mon avis, c'était vraiment peanuts par rapport aux 20 gigas que vous avez. Donc je vous propose mais maintenant qu'on a fait ça d'aller voir dans les autres environnements ce qui s'est passé. Donc on va d'abord aller dans le Lightroom CC pour ordinateur. Donc là je suis dans l'environnement Lightroom CC pour ordinateur, d'accord puisque là vous voyez je suis sous Windows euh, Windows 10 et euh, j'ai dans mes albums un album test pour LRCC qui vient d'apparaître avec une photo. D'accord, qui est bien la photo que je viens mettre de classique. Donc, elle est bien arrivée directement sur mon environnement CC. On va vérifier sur les autres environnements CC. Donc, on va aller sur la tablette. Donc là, je suis sous Android, hein, donc comme sur une tablette, et j'ai donc un album test pour LRCC avec une photo qui s'est mise à l'intérieur. On va aller vérifier pour le fun sur le web. Et donc là, je suis sur l'environnement web et euh, bah, vous voyez, je suis là, HTTPS, machin, et j'ai donc test pour LRCC avec ma photo qui est dedans. Donc on peut vraiment euh, voir les différents environnements. Vous voyez, là, on est allé de classique vers CC et de CC, on peut voir la photo qu'on soit sur un autre ordinateur où on a installé CC, qu'on soit sur le web directement ou qu'on soit avec sa tablette. Tablette ou smartphone ou iPhone, c'est pareil. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si on modifie une photo, qu'est-ce qui se passe. Donc là, je suis sur ma photo et je vais faire une modification. D'accord Donc je vais prendre par exemple une, je vais prendre une brosse ici. Je vais monter l'exposition. Je vais monter les blancs à fond. Je vais monter les hautes lumières à fond. Et donc là, je suis dans Lightroom classique. Et donc je vais écrire classique. Voilà. Et donc, je vais aller voir maintenant si cette modification a été prise en compte dans les autres environnements. Donc, là, je suis sur mon portable avec Lightroom classique installé. Hein. Je suis sur l'autre ordinateur Windows 10. Et vous voyez que la modification, la classique, bah, a été appliquée à l'image. Alors, euh, ça a pris. Ça n'a pas pris longtemps. Ça a pris une minute, euh, une minute trente, euh, le temps que le temps que ça arrive sur les différents environnements. Donc là maintenant, si je vais sur la tablette, c'est pareil. Et si je vais sur le site web, c'est pareil. On va aller sur le site web pour vérifier. Donc là, on est sur le site web, hein, on voit HTTPS. Alors la modif, elle n'est pas là parce que je vais rafraîchir la page. Et euh, une fois que j'aurai rafraîchi la page, je pense que la modif sera là. Donc il rafraîchit la page, je récupère ma photo et j'ai bien ma modif qui est là. Donc là, j'ai bien fait de classique vers CC. Maintenant, on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais faire une modification sur la photo dans un CC et on va voir si ça revient dans classique. Donc là, je suis dans un environnement CC. Ici, c'est comme si c'était mon ordinateur portable. En dessous, dans la fenêtre d'en dessous, vous avez le classique euh, standard. D'accord Donc là, je vais faire une modification ici, dans l'environnement CC et on va voir si elle arrive dans le classique. Donc on va ouvrir cette photo, d'accord donc, si je prends ici une, une brosse, hein, déjà, vous voyez qu'il y a un point. Là, Le point qui est là, c'est le point de mon classique, là, que j'avais fait dans Lightroom classique. Donc, euh, les modifications, on les retrouve et on peut en plus les, les éditer, si on veut. Mais là, je vais en rajouter une. Et je vais écrire euh, CC, là, comme ça. Voilà. Allez, on va faire CC. Hop, c'est C. Pour qu'on le voit bien. Voilà, et maintenant cette modification, on va voir si elle arrive dans classique. Donc pour ça, il faut revenir en mode grille. Vous, quand vous êtes en édition dans un environnement CC, il ne va pas synchroniser en temps réel. Donc il attend que vous ayez terminé l'édition pour synchroniser. Donc là, je vais revenir dans un mode grille. Et là, ici, vous voyez, j'ai le petit nuage qui me dit Ah, ben je suis en train de synchroniser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir en combien de temps ça arrive ici. Puisque là, c'est l'environnement classique standard. On va voir en combien de temps cette modification arrive. Donc je vais peut-être passer en vitesse rapide le temps que la modification arrive. Et voilà, la modification est arrivée. Donc ça a été très rapide, hein, quelques secondes, euh, moins d'une minute je pense. Donc vous voyez, je peux faire une modif de classique, elle arrive dans l'environnement CC. Je peux faire une modif dans l'environnement CC, elle revient dans le classique. On va aller vérifier quand même que cette modification se retrouve dans les autres environnements CC. Donc on va aller sur le site web par exemple. Je suis sur site web, je rafraîchis ma page pour avoir des informations à jour. Et ma photo arrive avec les deux modifications, celle qui venait de classique et celle qui vient de CC. Donc c'est bon, ça marche. Maintenant on va voir les aspects effacement. Qu'est-ce qui se passe si j'efface d'un côté ou si j'efface de l'autre donc, je suis dans l'environnement CC, d'accord, puisque je suis sur le site web, je pourrais être sur ma tablette ou je pourrais être sur mon ordinateur portable avec CC Desktop. Je choisis une photo ici et je fais supprimer. Alors, qu'est-ce qui me dit Supprimer définitivement la photo. La suppression d'une photo ou d'une vidéo ne peut pas être annulée. Très bien. Voulez-vous vraiment supprimer cette photo Elle sera supprimée de vos photos Lightroom. Alors là. Ils auraient pu préciser en fait parce que elle va être supprimée de vos photos Lightroom dans CC, dans le cloud. La suppression n'arrivera pas dans classique. On va on va aller vérifier ça après. Hein. Euh, de tous les appareils synchronisés, oui. De tous les albums et galeries partagés, oui. Supprimer la photo. D'accord. Donc là, je viens de supprimer la photo. Donc ici, je me retrouve dans un environnement CC où j'ai une collection qui s'appelait. Test pour LRCC qui avait une photo et maintenant il n'y a plus de photo. Donc je vais aller voir dans les autres environnements pour voir ce qui se passe. Donc là je suis sur la tablette, hein, sur Android et euh, on voit ici test pour LRCC. En effet il n'y a plus de photo à l'intérieur. Euh, on va aller voir sur euh, CC Desktop pour être sûr et on va aller voir sur Classique. Donc là, je suis sur mon portable, hein, dans CC euh, Desktop, et en effet, je n'ai plus rien. Ici, c'est vide, je n'ai plus la photo. Donc le dernier point à aller voir, c'est classique. Et dans classique, vous voyez que ma photo, ben, elle est toujours là. Ma photo, elle est toujours là. Non seulement elle est toujours là, mais elle est là avec les développements qui ont été effectués. D'accord Mais en fait, la différence, c'est que là, il y avait une petite icône appartient à une collection, et ben, elle n'appartient plus à la collection. Donc si je vais. Euh, dans le module bibliothèque, et que je vais ici dans les collections, vous voyez que je n'ai plus de photos. Donc, en fait, lorsque vous effacez une photo qui est dans CC et qui vient de Classique, elle est effacée dans la collection, mais la photo elle-même n'est pas effacée. Ça c'est important, vous ne perdrez pas de photos si vous faites euh, des bêtises à effacer dans l'environnement CC. Euh, Donc classique, ça sera toujours là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse. On va aller effacer une photo dans euh, classique et on va voir ce qui se passe dans euh, CC. Donc on va déjà rajouter une photo, tant qu'à faire, dans cette collection et ensuite on va euh, aller simplement l'effacer. Donc là j'ai rajouté une photo dans test pour LRCC, donc on va déjà vérifier qu'elle est bien synchronisée dans les autres environnements. Puis ensuite on va l'effacer dans classique et on va voir ce qui se passe. Donc là je suis sur la tablette hein, pour changer un peu, Android 5 là et on voit bien que j'ai test pour LRCC et que j'ai cette photo à l'intérieur. Donc maintenant on va retourner dans classique et on va l'effacer. Donc j'ai ma photo sélectionnée, j'appuie sur suppression. Alors là il faut bien lire. Voulez-vous que les photos synchronisées soient conservées dans toutes les photographies synchronisées. Si vous cliquez non, les photos seront supprimées uniquement de toutes les photographies synchronisées si elles ne se trouvent dans aucune autre collection synchronisée. Qu'est-ce que ça veut dire ça C'est un peu, c'est un peu verbeux. En fait, il vous demande est-ce que vous voulez garder cette photo dans l'environnement CC Là, si vous répondez euh, oui. Ben, la photo ne sera pas effacée de l'environnement CC. Et si vous répondez non, elle va être effacée de l'environnement CC. Alors on va faire le test, c'est-à-dire que je vais répondre, voulez-vous que les photos synchronisées soient conservées dans toutes les photographies synchronisées Je vais répondre non. Voilà, et si je vais aller vérifier sur mes environnements, la photo normalement a disparu. Et donc là, on voit bien que bah, je n'ai plus rien. Un test pour LRCC, elle a été effacé. Donc lorsque vous effacez de classique, vous avez une option qui est de dire la photo est effacée également dans l'environnement CC. Maintenant, on va essayer d'effacer dans classique et pas dans CC. Donc on ne va pas répondre non, on va répondre oui à la question précédente. Donc je vais resynchroniser une photo. Donc là, j'ai remis une photo dans la collection test pour LRCC. Donc la photo est bien arrivée dans mon environnement CC, hein, puisque là je suis en Lightroom CC pour desktop, et donc maintenant je vais l'effacer de classique. Je prends donc ma photo, je l'efface, il me pose la même question, et là ce coup-ci je vais répondre oui. C'est-à-dire que je vais dire la photo synchronisée doit rester dans l'environnement CC. Donc je vais répondre oui, ici. Donc là, elle vient de disparaître de classique, hein, puisque euh, ce truc-là a disparu. Alors là, je ne sais pas pourquoi à chaque fois il faut fermer la fenêtre. Mais euh, maintenant, on va voir ce qui se passe dans l'environnement CC. Cette photo n'existe plus dans classique. Qu'est-ce qu'elle est devenue dans l'environnement CC Donc là, si vous regardez test pour LRCC, il y en a bien zéro, hein, puisque j'ai supprimé la photo de cette collection. Mais par contre, si vous voyez dans all photo ici, j'en ai une. Elle est là. Donc en fait, la photo a disparu de cette collection puisqu'elle était effacée dans Classique de cette collection, mais elle a été conservée dans toutes les photos de LRCC. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui se passe si je resynchronise celle-là Mais bon, je, je l'ai effacée, hein, donc je peux pas trop la resynchroniser. Mais donc vous pouvez décider d'effacer ou pas de CC lorsque vous effacez le Classique. Donc un petit résumé, c'était assez dense. Hein euh, pour synchroniser, il faut évidemment dans Classic configurer son compte. Ensuite, il faut faire des collections et dire que ces collections sont synchronisées, elles apparaîtront comme album là. Vous pouvez faire un développement dans Classique, il apparaîtra dans CC. Vous pouvez faire un développement dans CC, il reviendra dans Classic. Si vous effacez de CC ici, ça n'efface pas dans classique, ça efface simplement de la collection. Et si vous effacez de classique, ça peut effacer dans CC ou ça peut garder la photo dans CC. Voilà, j'espère que ça éclaircit deux ou trois petits trucs. Ensuite, la prochaine vidéo, ben on apportera ce coup-ci directement dans CC et on verra ce qui arrive dans classique. Parce que là, on a vu que dans CC, ce qui arrivait, c'était plutôt des aperçus dynamiques. On peut d'ailleurs, euh, lorsqu'on est en CC desktop, les mettre sur le disque dur et comme ça travailler offline mais ça je vous montrerai ça une autre fois si je fais plus de vidéos sur l'environnement cc voilà merci au revoir